continuer en fait sur ces réflexions. Maintenant, on va continuer sur la monnaie libre. C'est à toi. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Mathieu. Alors, je vais vous parler de d'une nouvelle monnaie qui existe depuis 6 ans, qui s'appelle la JUNE, la monnaie libre. Alors, pour vous l'expliquer, je vais partir d'un constat, partagé par le CSI hier soir. Puis je vais poser une question et faire une proposition. C'est une façon d'étudier un sujet et je pense qu'il est utile d'ailleurs concernant tous les sujets. Constat, question, proposition. Alors le constat partagé par le CSI hier soir, hein, il concernait, je ne sais pas si vous avez bien retenu cela, la notion de lucratif, hein, d'économique. De recherche donc de lucratif, de recherche de profit qui en fait influence tous nos comportements et notamment dans la santé, hein, dont je fais partie d'ailleurs, je suis un des suspendus. Et donc c'est cette recherche de lucratif qui oblige en fait tout le système de santé à subir en fait tous les constats qui ont été élaborés hier. Le remplacement par des robots, évidemment la recherche l'obligation vaccinale, parce que ça rapporte beaucoup de monnaie. Et donc la question qui vient, c'est ce constat donc de la prégnance de recherche de lucratif dans la santé. Hein, c'est est-ce que la création monétaire n'influence pas, est-ce que ce n'est pas elle qui influence justement nos comportements socio-économiques, sachant que la création monétaire, c'est quelque chose qui est un invu. Hein. Pourtant, une monnaie, elle est d'abord créée avant d'être utilisée. Et donc voilà, donc cette question, la monnaie, son type de création, n'est-elle pas la cause des causes de cette mécanique, hein, de recherche de lucratif, ce qu'on appelle le capitalisme. Alors, je vous propose, pour répondre à cette question, eh bien, d'étudier la création monétaire de la monnaie qu'on utilise, hein, de l'euro. Et suite donc à votre étude de cette création monétaire, logiquement, vous devriez découvrir une proposition qui a été faite en 2010 dans un livre qui s'appelle « La théorie relative de la monnaie ». Vous pouvez la retrouver, ce livre, donc, qui explique en fait non seulement la création monétaire actuelle qui pose problème, qui est causale, et sa solution, qui est une création monétaire donc, en dividende universel. C'est une monnaie donc, qu'on a appelée la JUNE, qui est basée sur le commun. C'est important. Qu'est-ce qui est commun à tous les individus, qui sont tous différents? Ils ont quelque chose de commun, c'est que nous allons tous mourir un jour. Et il s'avère, oui, nous ne sommes pas éternels, nous allons tous mourir un jour. Il s'avère qu'en moyenne, nous vivons 80 ans. En moyenne. Et donc la monnaie libre, sa création, se base sur ce commun qui est le flux de renouvellement de la vie humaine. Alors, c'est un petit peu compliqué à comprendre parce que c'est nouveau, mais une fois que vous allez comprendre, c'est comme pour apprendre à conduire. Une fois que vous savez conduire, vous trouvez que c'est très simple. Et donc, pour la monnaie libre, pour la comprendre, ça va être un peu difficile au début, pour tout le monde. Et une fois que vous allez faire un peu d'effort d'étude, vous allez trouver qu'elle est totalement logique. Donc, c'est vraiment une découverte très, 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 très importante. Qui est vraiment causale et qui est solution. Hein, c'est vraiment la monnaie libre et solution au problème de création monétaire, ce qu'on appelle non libre. Hein, comme l'euro, qui est, vous savez, une monnaie qui est créée sur la base du crédit bancaire. Hein, et dont les politiques, enfin, les ministres sont les principaux acteurs, avec les banques évidemment. Ce sont eux qui créent cette monnaie crédit, par le crédit qu'ils signent, et qui obligent donc toute l'économie, tous les utilisateurs de cette monnaie,
en fait, à participer à la recherche de profit, en étant dominé évidemment par ceux qui créent cette monnaie. Donc cette monnaie libre, elle, par contre, elle est co-créée par les membres qui la choisissent, qui la comprennent d'abord et qui après choisissent de l'utiliser et de la créer. Alors, cette monnaie libre, son protocole de création est expliqué dans ce livre, donc, qui s'appelle « La théorie relative de la monnaie », qui a été écrit en 2010, je me répète, par Stéphane Laborde, un physicien. Suite à ce bouquin, en 2010, il y a des informaticiens qui ont étudié ce livre et qui se sont mis à bras le corps pour coder un logiciel qui permet de créer cette monnaie libre. Et ces logiciels, évidemment, sont des logiciels libres, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être privateurs. Hein. C'est-à-dire que quand vous allez vous mettre à utiliser la monnaie libre, les logiciels que vous allez utiliser permettront d'être souverain totalement. Vous ne dépendrez pas, en tout cas, d'une hiérarchie. Hein. La monnaie libre vous permet d'être souverain de vos choix. De valoriser telle chose et pas valoriser autre chose. Alors cette monnaie libre, donc ces informaticiens l'ont codée et donc elle s'utilise, elle existe depuis maintenant 6 ans. Elle a commencé à être produite le 8 mars 2017. Et donc ça fait un peu plus de 6 ans maintenant qu'elle existe. Au début, nous étions que 59 membres. Alors, pour être membre coproducteur de cette monnaie libre, eh bien, il suffit de rencontrer d'autres membres. Hein, tout est décentralisé en pair à pair. Hein, il n'y a pas de centre qui décide qui va créer la monnaie et qui n'en va pas en créer. Il suffit que vous rencontriez 5 membres, et ces 5 membres vous connaissent bien, eh bien, ils peuvent vous certifier et vous faire devenir à votre tour membre co-créateur de cette monnaie. Et donc, vous pouvez tout vérifier, hein, c'est une monnaie libre, c'est-à-dire que comme un logiciel libre, tout son principe de création peut se vérifier de façon transparente sur un logiciel libre qui s'appelle Cesium. Vous pouvez le télécharger sur toutes les applications de téléchargement, Cesium, hein, comme l'Atom. Et il existe aussi donc des places de marché sur Internet, mais aussi il y a des marchés un peu partout. Il y en a en Charente, enfin maintenant un peu pas dans tous les pays, mais presque. Hein, beaucoup en Espagne, en Belgique. Donc la monnaie libre n'a pas de frontières. Elle est indexée sur l'individu. Les enfants aussi sont créateurs de monnaie à partir du moment où ils sont certifiés par des membres. Donc il y a un site qui s'appelle gechange.fr, c'est le bon coin de la June, comme on dit. Il en existe d'autres, mais c'est un site d'échange de monnaie, de valeur. Il y a après un site qui s'appelle infojune.fr, où vous avez là tous les documents pour comprendre et étudier cette monnaie. Il y a un site qui s'appelle créationmonétaire.info. Alors là, c'est un site extraordinaire. C'est le site donc, de Stéphane Laborde, qui depuis 2009 écrit dessus. Et donc il y a des vidéos, des podcasts et des articles qui sont vraiment très, très éclairants. C'est vraiment un document. Hein. Bon, il y en a pour des mois et des mois de lecture, de vidéos et d'écoute de podcasts. Je vous sollicite à lire ce site. Et je finis, merci, par un événement que nous organisons donc à côté de Toulouse, à Castres, cet été, du 13 au 16 juillet, qui s'appelle l'Université d'été de la monnaie libre. Donc pendant 3 jours, dans un endroit magnifique à Castres, du 13 au 16 juillet. Donc c'est la 4e édition. Donc il y aura plein de conférences, des ateliers, évidemment un grand G-marché pendant 3 jours. Et puis aussi du divertissement, des concerts et des films. Et donc je finis, voilà, j'espère vous retrouver du 13 au 16 juillet. Merci.